Ouais, salut, cher ingénieur. Comme ça, nous allons continuer toujours avec notre travail. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant le multiplier les niveaux, puisque vous savez, ce R plus 5, ce qui est égal à 6 niveaux. Alors, au dernier niveau, il y aura dalle. OK. Voilà, c'est bon. OK, c'est bon. Puis, nous allons maintenant mettre notre truc. On vient ici sur niveau 1, étage. On sélectionne tout ce qui est comme là, sélectionné. Et puis on vient sur étage. Copier. Étage. Et monsieur. Et monsieur 5. Voilà. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. C'est ça, notre niveau. On peut tourner. On peut tourner pour voir. Voilà. On est là-dedans. On est là-dedans. On est là-dedans. Voilà. On est là-dedans. Alors, ce qui reste encore, c'est que, vous savez, ça sera dans le. Dans la terrasse, il faudra maintenant ajouter un niveau. Il faudra maintenant ajouter un niveau encore. Voilà. OK. C'est bon. On va venir ici. On ajoute un niveau. Ça. Comme ça, on ajoute encore un niveau. Vient ici sur étage. Sur étage, je prends. Sur étage, je prends. Je cherche un tout. Pour le premier niveau. Là, c'est déjà bon. Je vais prendre ceci. La voie de sixième niveau. Ça dépend de moi. En fait, l'autocad donne la possibilité. Je prends ça. Je cherche un seul. Et puis, je copie ça. Je prends ça. Bon, je viens sur. Je vais mettre maintenant une. Je vais ajouter quand même, ça sera terrasse. Je vais ajouter quand même. Continuer avec le cadre essentiel. Voilà, je viens avec ça ici. Étage. Voilà. Dernier étage. Je sur le dernier étage. Ici. Et bien, ça là-bas. Et puis, voilà. Quand j'amène ça ici, je viens ici avec l'axe des Z. À partir de là. Ici, c'est 1, 2, dans l'axe des X, l'axe des X, à partir d'ici, je fais
1, 2. Je clique. Ok, je ferme. Donc, voilà. Je prends la dalle. Je prends la dalle rectangle. Ok. Ok. Voilà. Je mets cette dalle. Et puis, je viens, je prends ça. Je prends voile. Ok. Et je commence. Voilà. OK. Parce que j'ai mis ça, c'est bon. Maintenant, je prends encore la dalle pour couvrir là-bas. Voici. Voilà. Je vais voir ça maintenant du film. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, nous sommes là. On a multiplié notre niveau. Maintenant, nous sommes normal avec notre modélisation. Alors, venons mettre maintenant les appuis. Maintenant sur base. Maintenant sur base. OK. Sélectionner les appuis ici. Sélectionner encore ça. Sélectionner ces appuis. Est-ce que sélectionne ces appuis? On vient ici. Et puis, on met ça encastré. On applique. Et si on encastre ici, je mets ça encastré. Sélectionne encore ceci. Je mets ça en castre, c'est déjà en castre. Voilà. Alors, les appuis qui sont ici, je vais l'encastrer. Ok, bien sûr. Voilà. On a maintenant des appuis. Je ramène la rotation pour voir. Bonnement. OK. Alors, vous allez voir ici, j'avais raté ça. Voilà, voyez vous-même. Donc, on vient sur projection. C'est pas facile de faire tout ça, mais même si niveau 3, niveau 3, ok. Et puis tu comprends notre voile. C'est où là? C'est ici. Ok. On ferme. Alors, on prend ça. Faut maintenant les copier. On prend ça. Faut le copier. On prend ça maintenant.
Tiens, je copie ça. C'est 5. Si ça marche pas, venez avec ça partout. Et vous allez utiliser, il faut copier maintenant. Toujours comme ça. Quand il faut faire ça, il faut être souple. D'accord. Et notre maison, notre structure est là. Voilà. On a pu modéliser cette structure. Voilà. Là, ça va nous rester des mètres de charge. On se voit.